Euryops chrysanthemoides. On est sur une plante fascinante. C'est une plante qui a tellement de qualité et tellement peu utilisée dans nos jardins. Une plante à feuillage persistant, une floraison qui peut être très longue. Ça peut être là pendant l'hiver, printemps, été. Dans un contexte comme on est dans la plante que l'on vous montre aujourd'hui, c'est une plante qui est, pendant la période estivale, un petit peu à l'ombre, dans un contexte mi-ombre, là, protégée par un bouleau. Ce qui fait qu'elle a une certaine fraîcheur pendant la période printanière et estivale, et donc elle continue à fleurir. Ensuite, quand l'automne arrive, les feuilles tombent, et là, elle a le mur qui chauffe, et elle continue à fleurir. Donc vraiment une plante vraiment remarquable dans sa longue floraison qui peut couvrir toute l'année. Deuxième avantage, donc on est sur une plante qui a une belle structure, qui fait un port d'un mètre, 1,50 m. C'est ligneux, hein, ce n'est pas une vivace, contrairement au chrysanthème, que l'on assimile, qui est une plante vivace. Là, on est sur un arbuste, mais aux feuilles de chrysanthème et aux fleurs rappelant la fleur de chrysanthème. Donc, vraiment une plante intéressante, résiste très bien aux embruns marins, très bien au vent. Donc, exposition front de mer, sans difficulté. Et voilà, donc une plante à rajouter à votre collection. Euryops chrysanthemoides.